défini par donc R de x égale plus ln x. Alors 2 ln x sur valeur absolue de x moins 1. Donc toujours on veut le domaine. Donc toujours une question de domaine. En général, les premières questions de cours aux examens du bac concernent le domaine. Bon. Ici, si c'était plus ici, donc pas de question là et aucun problème parce que quand on fait valeur absolue de x plus 1, donc c'est toujours positif parce que valeur absolue de x va être égale à moins 1, donc ça n'a pas de sens, donc R tout entier. D'accord, mais bien entendu, avec des valeurs positives de ce serait R plus, d'accord, si c'était plus ici. Donc attention, attention parce que ln pose problème ici. Si c'était plus, il suffit seulement de considérer x positif. Ok, laisse-moi vous montrer. Si c'est plus qu'on a là ici, et le déno, quand on fait valeur de x plus 1 égale à 0, donc valeur de x égale à moins 1, c'est impossible. Donc on n'a pas besoin de réfléchir sur le déno. Maintenant, le problème se trouve avec x. Donc le domaine ne serait-ce que seulement, d'accord, R plus. D'accord, R star plus, plus, tout simplement. Ok, avec pour la question de ln x. Maintenant, avec le moins qui est là, donc il faut raisonner autrement. Avec le moins, il y a deux choses pour le domaine. Donc le domaine, d'accord, d'abord, c'est l'ensemble des x de R, tel que valeur absolue de x moins 1 différent de 0, et ici, avec le x, x doit être strictement positif. Ok? C'est ça. Bon. Ici, dans cet ensemble-là, la priorité doit être accordée à x positif. D'accord? Ça, c'est le point de départ pour le domaine. D'accord? La priorité doit être accordée avec x positif. Ok? Parce que, avec ln, par une négociation sur ln, ln, x doit être toujours strictement positif. Pas une négociation sur ln. Ça, c'est la condition principale. Maintenant, on va travailler avec x pour trouver les valeurs qui rendent ce déno différent de 0, mais tout en sachant que x positif. Eh bien, dans ce cas ici, par négation, posons valeur de x moins 1 égale à 0. Donc, ça veut dire valeur de x égale à 1. Bon, étant positif, d'accord, étant positif, x égale à plus ou moins 1 selon les propriétés de la valeur absolue. Maintenant, c'est comme si je dis x égale à 1 ou bien x égale à moins 1. Mais ici, c'est positif. Hein? C'est positif, ça veut dire ça se trouve dans cet intervalle ici. C'est OK. Maintenant, x égale à moins 1 pour ln, donc on n'a pas besoin de tenir compte de moins 1 parce que on ne peut pas prendre des valeurs avec moins 1 pour ln. Donc ln, c'est secteur positif. Donc c'est à rejeter ici. Donc c'est à rejeter ici. Pas de considération, c'est à rejeter ici. Ok, maintenant quelle valeur prendre maintenant pour le domaine? Eh bien, rapidement, regardez ici. Là, je vous dis que c'est prioritaire. La priorité doit être accordée avec ça. Eh bien, ici nous avons 0, ensuite nous avons 1 qui se trouve dans cet intervalle, et puis plus l'infini. D'accord, maintenant vous voyez que notre domaine c'est 0 à 1 et puis 1 à l'infini, mais attention, attention, 1 ici, l'intervalle doit être ouvert en 1 parce que si on prend 1 égale à 0 et x égale à 1, on va avoir 1 moins 1, ça fait 0. Donc voilà, donc le domaine c'est l'intervalle ouvert en 0 et puis 1 ouvert parce que voyez, si x égale à 1, ici, 1 moins 1, ici, ça va faire 0. Donc, pour le déno, d'accord, on ne doit pas avoir 0 ici. Et puis, union, 1 à l'infini. Ok, voici donc pour le domaine. Est-ce qu'on peut donner notre...